Salut les trailistes! Bon, vous avez vu, il pleut, mais au final, c'est pas ça qui va nous arrêter. On est quand même content d'être ici aujourd'hui au Multistrada Tour. On est là pour essayer la Ducati V4 S avec toutes les options enduro. On a avec nous Laurent Pidoux qui est juste derrière, là en train de donner des conseils aux débutants. Et il va nous expliquer, nous donner quelques conseils pour piloter cette machine. Et puis ensuite, on va en faire l'essai. Donc, c'est parti! Bon alors les gars, avant de partir, première chose, il faut régler un petit peu sa machine. Donc je vais dans le menu configuration, je vais choisir mon mode de conduite. Aujourd'hui, on est sur de l'enduro et ici, je peux choisir la puissance de mon moteur. Vous voyez, faible. Pour l'enduro, c'est pas mal hein, parce que sinon on a 170 chevaux et je peux vous dire que c'est limite trop. En revanche, Ducati, traction control, je serais tenté de pas en mettre, mais là, c'est vraiment humide, c'est très gras par rapport à ce matin. Donc on va en garder un. On peut aussi régler l'ABS. Je vais garder un petit peu de frein d'ABS à l'avant et à l'arrière. Je vais tout retirer pour pouvoir guider la machine. Le wheelie control, on va pas le mettre. Le quick shifter, il fonctionne. Les suspensions, on peut régler indépendamment l'avant de l'arrière. Parce que j'aime bien avoir une moto un petit peu raide de l'arrière. Et puis à l'avant, a priori, c'était bon tout à l'heure. Donc je vais le laisser comme ça. Et bien écoutez, il n'y a plus qu'à. On va tester ça ensemble. Et on commence par le petit parcours de maniabilité. Là, ça permet de voir un peu comment travaillent les suspensions. Ça absorbe bien, hein, c'est quand même bien doux. Là, c'est un petit peu plus dur. Tac, 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 tac. On sent que ça comprime. Hein. Alors, on passe à gauche pour la première épreuve de maniabilité. Ça permet de voir que la machine est quand même assez facile à manier, hein, malgré ses 240 kg. Alors, pourquoi elle est facile? Parce que déjà, on a un grand guidon, un grand bras de levier. Et on a une selle assez étroite qui permet de bien bouger autour de la machine. Elle est assez basse en plus, donc on peut faire passer les genoux autour de cette selle. Voilà, donc on peut bien incliner la moto. On a retiré les caoutchoucs des repose-pieds et on a un bon grip sur les chaussures. On a un bon frein arrière, même si la pédale est bien trop basse à mon goût. Donc voilà, vous voyez, entre les arbres, ça reste maniable. On est parti, on va mettre un peu de gaz. Alors vous l'entendez ce moteur, hein, là. Même sur le mode faible entre guillemets, il y a largement ce qu'il faut. Ah, j'adore sa sonorité. Alors le shifter fonctionne très bien, la boîte est douce, souple, bien étagée. Il y a de la traction, hein. Ça motorise bien. Alors moi on est équipé avec des pneus mixtes. Hein. Oup, op, 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 op. On peut bien incliner la moto. Ah, ça drift comme j'aime. Dribble un peu avec le frein arrière. Hein. Mais vous voyez, hein, la moto est très maniable. La jante de 19 à l'avant, c'est pas l'idéal hein, pour le off-road. Une 21, ça aurait été mieux. On va la voir, hein, on va la voir avec la Desert X. Et malgré tout, on arrive bien à la manier cette moto. Le guidage est plutôt bon. Bon, vous voyez dans les petits chemins là, c'est quand même assez agréable. Le traction control gère bien. Ah ça, Ducati, l'électronique, c'est leur truc. Hein. L'ABS, vous voyez bien, hein, il se déclenche à peine. Ah ouais, on prend du plaisir en fait. Hein. On arrive à la placer, à la faire drifter. Je vais essayer ce chemin là, je ne l'ai pas encore testé. Hop 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 hop. Ambiance ski nautique un peu là, quand on roule un peu vite sur les feuilles. On sent là toutes les bosses, hein, c'est très bien amorti. Là il y a des petites ornières. La moto elle vient bien s'inscrire dedans. On perd quand même un peu le pneu avant hein, avec la route 19. Bon, l'embrayage hydraulique en revanche est un peu dur. Ça c'est dommage, il faudrait réussir à l'assouplir. C'est vrai que sur les trails, on est plutôt habitué à avoir des câbles. Mais bon, bonne suspension, bon moteur, bonne partie cycle, et c'est réussi. Hein. Merci Ducati. Alors quand même dans la famille des trails violents, il y a la KTM 1290 Adventure, mais il y a aussi la Multistrada V4S. Donc le cœur du problème, il est là, c'est ce V4 de 170 chevaux, issu de la Panigale, donc quasiment d'une MotoGP en fait. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que grâce à l'électronique et avec les modes moteurs, sur le mode enduro, on descend quasiment à 115 chevaux, ce qui le rend tout à fait gérable dans les chemins en fait. C'est au-dessus de 100 chevaux, c'est un peu beaucoup, mais là honnêtement ça va. En plus on a 13 mètres-kg de coupe, ce qui est largement suffisant dans les chemins, ça tracte bien. Alors au niveau de la partie cycle, c'est des choix originaux aussi que Ducati a fait, puisqu'on a une monocoque à l'avant, un moteur porteur, qui donc supporte un petit peu les secousses. On a cette partie en alu ici, et puis tout ce treillis tubulaire à l'arrière qui est vissé. Alors le petit désagrément de ce treillis tubulaire, c'est que côté gauche, il y a l'amortisseur, et du coup il est un petit peu plus large, et on a tout le temps la botte qui frotte, et là, bon, on a fait une petite après-midi d'enduro, ça commence un petit peu à faire mal. Autre choix un peu nouveau chez Ducati, donc abandon du monobras. Donc on a ce bras oscillant, on a lui aussi, et surtout on a en option ces jantes à rayons tangentielles tubeless, voilà. Alors c'est malgré tout du 17 à l'arrière assez large, à l'avant on est sur du 19, c'est une option qui est quasiment à 1300 €. Alors toujours pour un usage off-road, Ducati a bien revu sa copie, puisqu'en fait on a une selle qui est vraiment très basse, avec un réservoir de 21 litres qui est assez étroit à ce niveau-là, et on peut bien bouger autour de la moto, donc pour le off-road c'est très bien. Et puis on a aussi ce grand guidon, qui offre un grand bras de levier qui permet de bien manier cette moto. Honnêtement, elle fait pas ses 240 kg tout plein fait. Cette instrumentation, elle est orientable, il y a une petite vis en dessous pour la régler. Elle est bien orientée en fait, on n'a pas de problème aussi avec la luminosité, même si aujourd'hui il fait pas très beau. Simplement, vous l'avez vu tout à l'heure, les commandes ici, c'est assez compliqué de se balader dans les menus. Donc ça, ce serait bien que ce soit un petit peu plus facile à l'avenir. Bon alors qui dit gros moteur, dit grosse puissance de freinage. On a carrément des Brembo Stylema, c'est ce qu'on trouve sur les motos de circuit. C'est excellent en fait pour cet usage. En plus on a cet ABS qui est déconnectable à l'arrière mais qui est aussi paramétrable à l'avant, ça c'est très bien. En revanche, les suspensions pilotées, écoutez, moi je trouve que pour un usage enduro encore une fois, enfin un usage off-road, les débattements sont assez courts. On est à 170 mm à l'avant, 180 à l'arrière. Là, on est sur des chemins assez plats, mais dès que ça commence à tabasser dans les caillasses, à mon avis, ce sera trop court. Bon, indispensable encore si vous voulez aller faire le zinzin dans les chemins, les crash bars, la grille de radiateur là, pour éviter justement de le percer. Évidemment, c'est important parce que les radiateurs, ils sont juste là. Donc si vous n'avez pas ces crash bars, à mon avis ça va vous coûter cher. Et puis le sabot moteur, même si celui-ci il est assez court, il ne va pas protéger jusqu'au bout de l'échappement, il a l'air quand même assez bien fait. Ce kit il est proposé par Ducati et il coûte environ 1250 €. Voilà, ça fait une machine qui a 24 000 € pour la V4S, plus 1250 € pour le kit enduro, et après let's go. Bon ben voilà pour cette prise en main rapide donc de cette Ducati Multistrada V4S Enduro. Écoutez, je suis surpris, moi je l'avais pas mal roulé sur route, je l'avais adoré. Je pensais que dans les chemins elle serait moins à l'aise que ça. Effectivement, jante de 19, j'aurais préféré une 21, on l'aura sur la Desert X. C'est une moto qui vaut très cher, on est à plus de 25 000 € dans l'état. Effectivement, on peut se poser la question, est-ce que c'est encore raisonnable d'aller jouer dans la terre avec ça? Écoutez, si vous êtes bien dans votre tête, assez concentré, raisonnable du poignet droit, je pense que ça reste carrément jouable, et en plus c'est un moment de plaisir que vous passerez avec cette machine. Bon, vous l'aurez compris, Trail Adventure c'est un magazine, mais c'est aussi une chaîne YouTube, un compte Instagram, une page Facebook, donc abonnez-vous à tous ces réseaux sociaux, et puis moi je serai ravi de vous y retrouver.